C'est devant deux tribunes remplies de spectateurs que Canina et Rokus commencent leur match sous le soleil de Dumbergen. Une affiche 100% belge pour cette finale du 4e tournoi du Rising Star Tennis Tour. À 33 ans, Olivier Rokus a bien sûr énormément d'expérience, mais il a récemment été opéré et la fin de sa carrière approche. En face, le liégeois Julien Canina a à peine 20 ans et est à la recherche de son premier titre sur le sol belge. Canina commence la rencontre en force et break le service de Rokus à un partout. Rokus a du mal à suivre le jeu rythmé de son jeune adversaire et laisse filer un nouveau jeu de service à 4-2. Olivier Rokus essaye de casser le rythme avec quelques amortis, mais Canina répond à chaque fois par une contre-amortie. Le liégeois remporte le premier set 6-2. Dans le deuxième set, Canina continue de prendre le jeu à son compte. Le jeune joueur gagne même 9 points d'affilée, dont quelques beaux revers le long de la ligne. Le score passe rapidement à 2-0 pour Canina. Mais Rokus commence à mieux se déplacer et à jouer plus offensivement. À 2-1, Rokus obtient sa première balle de break, mais ne la concrétise pas. Canina passe à 4-1. Rokus continue à y croire et revient à 5-4. Canina réalise alors un solide jeu de service et remporte le deuxième set 6-4, son premier titre sur le sol belge et son deuxième titre de la semaine après sa victoire en double. Après le match, Rokus avait une nouvelle à annoncer, il pourrait devenir l'entraîneur de, vous l'avez deviné, Julien Canina. Ouais, très content de cette semaine, surtout de mon niveau ici en finale. Je suis très content d'avoir pu gagner ici. C'est mon premier tournoi en Belgique que je gagne, donc ça fait toujours plaisir de gagner devant ses parents, sa famille et tout ça. Donc ouais, je suis très content, surtout au niveau de jeu là en finale. Mais voilà, une bonne semaine. Je m'étais inscrit, j'ai la wildcard, juste rester en forme. Je suis venu pour faire des matchs, me retrouver en finale. C'était bien, j'ai fait 5 matchs, 5 bons matchs. Je pense aujourd'hui j'étais un petit peu fatigué, un petit peu juste, mais Julien a vraiment très très bien joué. Donc voilà, maintenant être en finale, c'est quand même pas si mal, mais Julien était un petit peu plus fort aujourd'hui. Donc voilà, mais ça me fait du bien de faire des matchs, essayer de préparer la Coupe Davis, de rester dans le rythme. Donc voilà, je fais encore un tournoi la semaine prochaine en stand et j'espère aller aussi loin.